Un rendez-vous incontournable. Chaque mardi, depuis le 24 octobre, les téléspectateurs de M6 ont le plaisir de retrouver la France à un incroyable talent. Cette 18e saison riche en émotions réunit des candidats qui espèrent succéder à Ryan, le grand vainqueur de l'an dernier. Pour cela, il leur faut convaincre les jurés, Sugar Sammy, Eric Antoine, Marianne James et bien évidemment Hélène Ségara. La chanteuse de 52 ans fait partie du jury depuis la 10e saison du, désormais, célèbre concours. Ce samedi 25 novembre, l'interprète des titres Il y a trop de gens qui t'aiment, On n'oublie jamais rien, On vit avec ou encore elle, Tu l'aimes, était invitée sur le plateau de RTL, dans l'émission On refait la télé, présentée par Eric Dussard et Jade. L'occasion pour Hélène Ségara de livrer une surprenante anecdote. Au quotidien, celle qui avait révélé souffrir d'une maladie rare à l'automne 2013, en marge de la sortie de son album Et si tu n'existais pas, garde toujours un remède des plus surprenants dans ses affaires. Supérieure à Céline Dion, Hélène Ségara, Édouard Philippe. Ces stars atteintes d'une maladie rare, Hélène Ségara, cette astuce qui amuse ses amis, véritable maman poule pour ses proches, Hélène Ségara est toujours prête à voler à leur secours, si jamais l'un d'eux se sent mal. Sur les ondes de la radio nationale, celle qui est brouillée avec Nagui a révélé son astuce, en cas de coup de froid. J'ai toujours des suppositoires, avec moi, a-t-elle confirmé. Le suppo est passé de mode, mais je trouve qu'il est d'une efficacité redoutable. Point, je sais pas pourquoi beaucoup sont réticents, a poursuivi l'heureuse maman de Raphaël, Matteo et Maya, sous les rires d'Éric Dussard et de Jade. Souvent, quand mes amis prennent froid, je dégaine mes suppos, ça amuse beaucoup. Article écrit en collaboration avec 6 Média Crédit Photo, Guillaume Gaffiot Bestimage.